Et salut à toutes les truites et truitesses, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale lundi dimanche. Shop du dimanche, c'est parti! Si toi aussi tu veux participer à la protection des truites, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et de lâcher ton plus beau pouce bleu! Et oui monsieur, on est dimanche, le dimanche c'est shop du dimanche, vous connaissez un petit peu la série, comment ça se passe, je vais rapidement expliquer pour tous ceux qui découvrent. On ouvre le shop, on a 6 cartes, et ces 6 cartes on constitue un deck et on attaque en arène légendaire direct, y'a pas le temps. Mais oui monsieur, et je vous ai préparé une surprise, désolé je pète un câble, on s'enjaille parce que tout à l'heure je vais à l'arène de Millennium à Levallois-Perret pour un tournoi Clash Royale, vous pourrez voir ça en stream, moi je serai présent en live, on va soutenir le petit Airwaves, le petit Peps et tous les autres. J'espère que vous suivrez cet event, dites-moi en commentaire si vous serez présent ou si vous avez été présent, parce que c'est vrai que cette vidéo sort tard en fait. Je crois que l'événement il est terminé ou un truc du genre. Donc mais c'est pas grave, on va revenir sur cette vidéo parce que bon, le Levallois-Perret, on s'en fout. Pack opening, coffre super défi, 8 victoires, on garde ça pour la fin, on regardera ça après tranquillement. Regardez mon clan, je voulais vous montrer également ça, mon clan, c'est la folie. Je pense que chez vous aussi c'est également la même folie. Regardez-moi ce bourreau, il est partout. On demande que du bourreau dans le clan, c'est une PLS total. Alors moi je peux pas en donner parce que regardez, je suis à 20 sur 20, j'étais à 21 sur 20, j'en ai donné un. Mais là je peux plus du tout en donner parce que je veux le monter niveau 5, je suis un putain d'égoïste. Mais oui monsieur, bon les amis, on va ouvrir le shop tranquillement. Juste avant on va s'échauffer tranquillement avec ces deux petits coffres en bois. Allez du bourreau, comme ça on les donne. Non. Pas de bourreau, on réenchaîne. Un autre petit coffre en bois, allez là. Ok, il y aura pas de bourreau. Le petit coffre en argent. Toujours rien, alors j'enregistre cette vidéo très très tôt ce matin avant d'aller à l'arène. Donc oui, hein, pour vous cette vidéo, donc c'est normal. Si j'ai un peu la tête dans le cul ou autre, paniquez pas, c'est normal. Et j'allais dire on go avec ce deck, non pas du tout ça, je vous présente ces decks. Un peu plus tard, on va attaquer l'ouverture du shop. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Attendez, je coupe ça, comme ça on arrête de me déranger. 3, 2, 1, go! Bismillah. Oh, 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 l'électro-sorcier quand même, c'est pas mal, on a la rage, le clonage. Pierre tombale, 3 mousquetaires, mortier. Les amis, ça risque d'être la PLS pour créer un deck avec ça, mais on va y arriver. Petite ellipse, le temps de créer ce deck et on se retrouve tout de suite. Petite truite, le deck est prêt. On part donc sur le deck du shop avec les 6 premières cartes, le mortier, les 3 mousquetaires, la tombstone, le clonage, la rage et l'électro-sorcier. On va enchaîner, j'ai rajouté en tout cas personnellement le chevalier et le kirikou. Pour moi, ça manquait un petit peu de troupes qui font du dégât. Je pouvais pas me permettre d'ajouter un GDG, je pouvais pas me permettre d'ajouter Jean Mouloud comme ça. Donc on va essayer une première game avec cette version. On va voir ce que ça donne, on lance tout de suite la petite attaque et on va essayer clairement de masser du litchi. Alors du coup je rappelle hein, pour tous ceux qui sont sur cette chaîne, désormais je vais faire uniquement mes lives, donc tout ce qui est streaming en direct sur YouTube les amis. Je quitte Twitch donc officiellement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que ça vous plaît, lâchez également vos plus beaux pouces bleus pour me soutenir. Et des lives très régulièrement, donc clairement je vous invite à vous abonner, activer les notifs, tout ça, vous connaissez un petit peu la musique. Oh, le bon Kirikou ici devant pour prendre l'aggro des petits squelettes. Voilà, il prend l'aggro sur le chevalet, j'ai pour drop mon petit Kirikou assez rapidement. Et le nettoyage va être fait les amis. Le mortier qui va défendre largement ici, hop là. Ça c'est fait, on a le Kirikou qui attaque également à droite. Ça drop un petit chevalier mais qui va être direct ce mortier. Ok, là on est bien les amis. On est très très bien. On place tout de suite la tombstone. Il a joué une boule de feu tout à l'heure, ouais. Il a joué une boule de feu, si je dis pas de bêtises, donc on va y aller tranquillement. On va attendre avant de sortir les trois moumous, les amis. Oh, le bourreau, là. Aïe, cette boule de feu, elle pique. Mais on va défendre, oui monsieur, encore une fois c'est défendu. Oh, Kirikou là, là c'est pas bon là Kirikou. Non, 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 Francis, non, mais non, arrête de taper ma tour. On drop rapidement ici le chevalier d'Ogjazi. Mais voilà le dégât qui est déjà infligé, heureusement que le bourreau n'attaque pas la tour en même temps. On a le Kirikou sauvage derrière pour découper, putain mais quel deck de merde. Oh, shop dégueulasse quoi. On aurait pu me donner un petit bourreau quoi. Merde. C'est parti, on va sortir les trois moments. Parce qu'il y a un moment où il faut les sortir. En split, deux à droite, une à gauche. Allez, la boule de feu le coup. Voilà, la boule de feu, elle est là.
Ok, on bourre ici. Alors attendez, il y a pas mal quand même. Non, ça suffit pas ce clonage. Ça suffit pas du tout, les amis. Oh là là, bien joué. On va tout de suite drop la tombstone, le mortier. Je vais enchaîner avec le chevalier. Oh là là, il va faire un carnage. Ah, rip Kirikou. Ouais, ça va être le GG. Il a gagné. Ah putain, fuck. Il faut que je réfléchisse à quoi jouer. Allez là, joue ta boule de feu, espèce de noob. Voilà, encore un troll. Alors, je vais tenter un vol. Vu qu'il fait le malin. Voilà, vous avez vu la boule de feu direct. Ah, ça fait le malin, hein. Mais dès que je joue les trois momos, ça boule de feu. Petite merguez, va. Quelle merguez. Il y a vraiment des gens, c'est des merguez. C'est grave sur ce jeu d'être aussi merguez que ça. Alors, je vais changer le deck. On va passer sur une autre version. Et vous savez quoi? Allez, on met Jean Mouloud. On n'a pas le temps. Clairement, on veut casser du litchi. Hop, allez, Jean Mouloud. 4,1 de coup moyen. On s'en fout. Go! Go, on est chaud! Je rappelle d'ailleurs, petit clavier du futur, on est là, regardez-moi ça, comme c'est pas beau. Là, je pouce bleu pour le clavier. Donc, clavier que j'ai commandé hier. Oh là là, attendez, lui, il a pas trop le temps. Oh, mon curseur. Ok. On va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça direct. On n'a pas le temps. Tout de suite, le mortier. Oh, la boule de feu, ok. Oh, la bûche, ok. C'est pas ouf, la bûche. Hein. Je vous le dis que moi, c'est pas ouf du tout. Hein. Ok, toutes les crottes qui ont atterri là. D'accord. D'accord, regardez le mortier, il est en train de lock là. Hein. Tout de suite, on va portugais Jean Moulout. On va déposer Jean Moulout, pardon. Pour découper ce sorcier de glace. Voilà. Est-ce que tu peux continuer à piquer cette tour? Je dis oui. Ok, les gardes qui ont été joués, ça va être des pops ça. Bon placement des gardes d'ailleurs. Donc pour l'instant, on se met bien. On se met très bien. On va drop la tombstone fond de map. On a les trois momos qu'on va bien garder en main pour l'instant. On va pas la sortir tout de suite. Oh. Ok, go. On sort les trois mousquetaires. Deux à droite, une à gauche. C'est parti. Les trois momos qui vont découper un petit peu ce molosse. On a l'électro-sorcier pour l'aérien. Le chevalier pour servir de support. Sur éventuellement une méga gargouille. Ok, un cimetière. On va tout simplement drop ici notre électro-sorcier. Il a boule de feu à droite, ok. Voilà, on drop ici le petit chevalier. Et regardez, hein, c'est juste parfaitement défendu. Derrière, on contre-attaque avec un mortier en plus. Et bah là, je pense qu'on va prendre la tour sur cette offensive, les amis. Je pense clairement qu'on va prendre la tour. Je ne le vois pas défendre cette tour. Ouais, la tour ici va tomber. Regardez, 300 PV. Et le dernier coup de mortier qui va partir, les amis. On vient de prendre la première tour avec ce deck. Mais oui, monsieur. Alors là, ce qu'on va faire, c'est juste drop Jean Mouloud. On va placer la tombstone de l'autre côté derrière. Et on va enchaîner sur une offensive à droite. Pour attaquer la tour de droite, tout simplement. Oh. Alors, non, je peux pas jouer les trois momos comme ça devant. Je peux pas. Je vais me faire punir. Ok. Trois momos en split, c'est parti. Oh, oh. Waouh, sa boule de feu, elle me one-shot, c'est une blague. Il reste 38 secondes, faut que je fasse gaffe quand même. C'est chaud là, attendez, attendez, faut que je me concentre. Parce que je peux perdre la tour ici très rapidement. Il y a beaucoup de crottes qui m'aiment, bordel. On va redrop un chevalier ici. Ok, elle tombe la tour. Bien joué à lui. Oh là 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 là, c'est magnifique. On va repartir tout de suite sur le molosse devant, vous l'avez compris. Hein? Oh non! Ok, mes petites truites, 2
victoires, 0 défaite, non pas du tout, 0 victoire, 2 défaites. Full défaite avec ce deck, on a quand même réussi à prendre une tour, ça reste ok au vu du deck. Parce que regardez la gueule du deck quand même. On est sur un deck à 4,1 de coup moyen avec du full bat. Enfin du full bat, on a deux bâtiments, une rage qui sert à rien, un clonage que j'ai pas joué. Tout pourri. Ce qu'on va faire mes petites tweets, c'est attaquer le pack opening de ce coffre. On a 9300 pièces, 420 cartes, c'est parti. Pack opening, on espère avoir du Jean Mouloud. Quoique Jean Mouloud il est niveau 7, donc non pas trop. Une petite légendaire, 14 Kirikou, 26 Gobelin. Oh non. Oh my god, je crois qu'il y a une légendaire les amis, j'ai pas compté. Ah, quoique peut-être les communes. Ah, j'ai un doute. Ah ouais, des communes, 291 mortiers. Ah, fuck. Désolé, la tourette. La tourette, syndrome de la tourette, vous connaissez Gilles, tout ça, mon poteau, la famille, on est là. Du coup, mes petites tweets, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, fais péter du double dab. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Wallet.